SADC, une énième réunion sur Madagascar. Le sommet des chefs d'État de la SADC a débuté aujourd'hui à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. La réunion sera consacrée uniquement au dossier Madagascar et plus exactement à la résolution de la crise malgache. Ce sommet verra la participation des chefs d'État membres de la Troïka de la SADC, à savoir les présidents namibiens, sud-africains, mozambicains et tanzaniens, ces derniers étant les présidents respectifs de la SADC et de la Troïka. Le gouvernement de la transition n'y sera pas représenté. Durant les deux jours précédant ce sommet, a eu lieu le Conseil des ministres des Affaires étrangères de la SADC qui s'est clôturé aujourd'hui. À titre de rappel, le 8 décembre dernier a eu lieu le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, lequel a abouti à quelques recommandations destinées à résoudre la crise malgache. Dans ces résolutions, la SADC a consacré la nécessité pour les présidents Marc Ravalomanana et Indra Dwil de ne pas participer aux élections nationales. Entre-temps, l'ancien chef d'État Marc Ravalomanana a donné une suite favorable à cette résolution en annonçant publiquement qu'il ne sera pas candidat. De son côté, le président Indra Dwil n'a pas encore fait part de cette décision officielle concernant sa participation ou non à ces scrutins. Ce nouveau sommet organisé à Dar es Salaam durera deux jours, au terme de quoi une résolution est attendue.